Pendant ce temps-là, les affaires qui regardaient le ministère n'étaient pas plus tranquilles que celles qui regardaient l'amour, et bien que M. Fouquet, depuis la mort du cardinal, eût demandé pardon au roi de toutes les fautes passées, et que le roi le lui eût accordé, et qu'il parut l'emporter sur les autres ministres, néanmoins, on travaillait fortement à sa perte. Elle était résolue. Madame de Chevreuse, qui avait toujours conservé quelque chose de ce grand crédit qu'elle avait eu sur l'esprit de la reine-mère, entreprit de la porter à perdre M. Fouquet. M. de Laigues était mal content de ce surintendant. Il gouvernait Madame de Chevreuse, messieurs Letellier et Colbert se joignirent à eux, et la reine-mère fit un voyage à Dampierre, où la perte de M. Fouquet fut conclue, et on y fit ensuite consentir le roi. On résolut de l'arrêter, mais les ministres craignant, quoique sans sujet, le nombre d'amis qu'il avait dans le royaume, et voulant le pousser à l'extrémité, portèrent le roi d'aller à Nantes, afin d'être près de Belle-Île, que M. Fouquet venait d'acheter, et de s'en rendre maître. Le voyage fut longtemps résolu, sans qu'on en fît la proposition, mais enfin, sur des prétextes qu'ils trouvèrent, on commença d'en parler à M. Fouquet, éloigné de craindre que ce voyage ne se fît que pour sa perte. Il se croyait assuré de sa fortune, et le roi, de concert avec les autres ministres, pour lui ôter toutes sortes de défiances, le traitait avec de si grandes distinctions que personne ne doutait qu'il ne gouvernât. Il y avait longtemps que le roi avait dit qu'il voulait aller voir Vaux, qui était une superbe maison que ce surintendant avait fait bâtir, et quoique la prudence dût l'empêcher de vouloir faire voir au roi une chose qui marqua si fort le mauvais usage des finances, et qu'ainsi sa bonté dût empêcher le roi de vouloir aller chez un homme qu'il allait perdre, néanmoins, ni l'un ni l'autre ne firent point de réflexion. Toute la cour alla à Vaux, et M. Fouquet joignit à la magnificence de sa maison toute celle qui put être imaginée pour la beauté des divertissements et la grandeur de la réception du roi, lequel, en arrivant, ne put s'empêcher d'en paraître étonné, et M. Fouquet le fut de remarquer que le roi l'était. Néanmoins, ils se remirent l'un et l'autre. La fête fut la plus complète qui ait jamais été. Le roi était dans la première ardeur de la possession de la Vallière. On a cru que c'était la première fois qu'il l'avait vue en particulier, mais il y avait déjà longtemps qu'il la voyait dans la chambre du comte de Saint-Aignan, qui était le confident de cet amour. Peu de jours après la fête de Vaux, l'on partit pour Nantes. Et ce voyage, auquel on ne voyait aucune nécessité, paraissait une fantaisie d'un jeune roi. M. Fouquet, quoiqu'avec la fièvre carte, suivit la cour et fut arrêté à Nantes. Ce changement surprit le monde comme on se le peut imaginer, et surprit tellement les parents et les amis de M. Fouquet, que bien qu'il en eût le loisir, ils n'ôtèrent point les papiers de M. Fouquet. On les prit dans ses maisons, sans aucune formalité, on l'envoya à Angers, et le roi revint à Fontainebleau. Tous les amis de M. Fouquet furent chassés et éloignés des affaires. Le conseil des trois ministres se forma. M. Colbert eut les finances, quoique l'on donnât quelques apparences au maréchal de Villeroy, et il commença à prendre auprès du roi ce crédit qui le rend depuis si longtemps le premier homme de l'État. On trouva dans les cassettes de M. Fouquet plus de lettres de galanterie que de papiers d'importance, et comme s'il en rencontra de quelques femmes que l'on n'avait jamais soupçonné d'avoir de commerce avec lui, son fondement donna lieu de dire qu'il y en avait de toutes les plus honnêtes femmes de France. La seule qui fut convaincue, ce fut Madame de Motteville, une des filles de la reine-mère, et une des plus belles personnes de la cour que Monsieur le duc de Damville avait voulu épouser. Elle fut chassée et se retira dans un couvent. Si vous aussi vous avez apprécié cette vidéo et si vous pensez comme Napoléon, l'histoire est un mensonge que personne ne conteste. Je vous invite à laisser votre avis, liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et pourquoi pas partager cette vidéo. Merci.